le maire, merci beaucoup de nous inviter. Chez Radio Choc TV, ici avec vous. Et vous êtes toujours fidèle à l'année de la Russie. Quelle belle idée, Noël russe, ici. Aujourd'hui, le village de Noël, c'est peut-être un petit peu un des coups de l'année, puisque déjà les illuminations sont sur le thème russe dans toute la ville de Monaco. Et le thème aujourd'hui, c'est l'année de la Russie, un Noël russe. Donc nous sommes très contents, on a eu une bonne collaboration avec les services de gouvernementaux, la mairie et puis évidemment la communauté russe. Il y a évidemment, vous avez deux sapins avec deux thèmes, Pierre et le loup, l'oiseau de feu, donc ça c'est très important. Après, nous avons, hormis tous les chalets de souvenirs, de cadeaux qui sont décorés à la russe, il y a un spectacle, puisque le village de Noël, c'est également la patinoire. Et la patinoire, il y a une troïka russe qui va être offerte donc aux résidents monégasques. Et il y a plein de choses, donc tout rappelle la Russie aujourd'hui. Et n'oublions pas peut-être cet engagement que la mairie de Monaco fait au niveau de l'environnement. Oui, en fait, ça fait déjà plusieurs années. Donc aujourd'hui, vous avez toutes les illuminations ont déjà été changées pour cette année sur le thème de la Russie. Donc, et tout est en système LED, donc basse énergie. C'est une image de la pluie de Monaco pour l'environnement durable. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell ride.